Et salut à tous, du coup on se retrouve comme les vendredis pour faire de la petite chasse de Zygarde. Qui d'ailleurs ne vient toujours pas, c'est triste. Donc pour l'instant je suis tout seul. Parce que bah, toujours le monsieur PSSM met toujours en retard comme d'habitude. Mais bon, de toute façon vu qu'on fait pas la même chasse, pour l'instant c'est pas trop grave. Tac, du coup, est-ce que le son il est pas trop faible ou trop fort? Je pense que ça devrait le faire. Je pense que je peux faire comme ça n'est pas mal. Tac. Alors, est-ce que du coup aujourd'hui on va avoir de la chance? Oh, un petit farfuré. Oh, ils m'ont pris. Toc, ça je peux enlever. Ok. Voilà, il choisit son Pokémon ou... On va prendre lui. Coup de main, ça peut servir. On peut... Oh, oh, mais il y a plusieurs glaces. Vas-y, c'est quel le plus intéressant puisqu'on prend pas le 2. Il y a Cochignon et Ursaring. En vrai, je pense que Cochignon, ça serait le mieux. Donc je pense qu'on va aller là-bas. Ça me paraît pas trop mal. Ah bah, il va aller à Ursaring. Bon. Bah, si vous voulez. Peut-être que Ursaring a plus de puissance que Cochignon. Je sais pas trop. Suis Colossandre. Ouais, parce que type glace, il va se faire défoncer là. Ah. Par contre, ça c'est plutôt bien. En vrai. Bon, on va faire Aquabrush. C'est parti. Putain, mais je sens que l'autre il va pas être là. Mon Dieu. Exécution. Ah, ça c'est bien ça. On baisse la défense. Oh dommage. Choc venin. Ok, mieux. Mais go qu'il fasse ça. Mais c'est nul. Bon. Ah oui, je suis quatrième, donc je pourrais pas dynamage tout de suite. Bon. On va encore attendre du monde pendant 2 heures, je crois. Allez les mondes, allez les mondes, allez. Putain. Ah c'est bon, ça attaque. Faudrait achever là. Ok. Un coup critique. Bon, dans tous les cas, prochain tour, on l'achève. Ah oui, mais t'es con.
Il va oh, il va faire ça pour tous les tours. Oh. Je veux mourir. Ah le feu. Oh le, oh le, oh le. Oh le, oh le, oh le, oh le, oh le. Mon Dieu. Allez du monde. Ah, enfin. Ok, elle est morte. Oui. Limite, je préférerais qu'il se fasse remplacer par un bot. En vrai, limite, c'est l'autre là qui. Bah, celui qui a dit parfurer. Celui qui a eu sa ring, il prend le. Il prend le poil à griffe à la fin, je pense que je le laisserai. On attend toujours le même. Bon, en vrai, il était belle. Hein. De toute façon, on est obligé d'aller. Donc là. Allez les gars. Tant, tant, tant. Donc c'est l'évolution de Poulpap, c'est ça? Je me rappelle jamais de son nom. Ouais. Krakus. Voilà. Par contre, est-ce qu'on a des Pokémon utiles comme ça? Ouais, du coup, c'est tant mieux qu'ils aient pas pris le Scolosandre. Donc, efficace, efficace, efficace. Et c'est là que l'immonde aurait été efficace quoi, mais du coup il est pas là, oh il fait chier. Je peux pas expulser quelqu'un. Mon Dieu. Ah ouais, mais utilise pas tes triple accès là-dessus, mec. Marteau point, ça fait pas mal quand même. Oh, bien! Ah, ça touche tout le monde. Merde. Pas bien. Il a fait une autre attaque. Est-ce que ça voudrait dire qu'il est enfin revenu? Oh, oh mais s'il est revenu. Oh oui. Oh dites-moi qu'il est revenu. Oh, s'il est revenu. Et qu'il... Ah mais ça se trouve il n'y a pas d'attaque électrique. Merde. Bon, au moins il est revenu. Ça c'est un bon point. Par contre, Farfuret dit pas que t'es parti toi aussi. Hein.
Ah, c'est bon, j'ai joué. J'espère qu'on aura quand même un petit peu de Shani parce que ça fait 3 streams qu'on n'a rien eu. C'est un petit peu la crise. Je sais que j'ai pas de chance moi à ce point-là. C'est chaud quand même. Coup de main! Oui, allez, go, 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 go! Sans rancune. Pas fouillé, chou, hein. Puis j'ai le max. Taille monte, taille monte, taille monte. Ça va être tendu. Ça va être tendu. Ah, mais il n'y a peut-être pas d'attaque électrique. On va faire sur Pandarbar cette fois. Je pense que Storland va l'achever. S'il pouvait augmenter notre vitesse, ça serait cool. Renversement. C'est quoi ça? Ok. C'est... Ah. Oh yes. Je pensais que une attaque électrique ça aurait été super efficace. Mais je me suis trompé. Merde. Il est peut-être pas type haut, il est peut-être. Il est peut-être pas type haut en fait. Peut-être qu'il est type haut. Ouais. Bah, si, normalement il est type haut. Mais est-ce que du coup le type combat ça annule? Ah non, il est que type combat. D'accord. D'accord, d'accord. C'est bon à savoir. Par contre, le limon, il faudrait qu'il change quoi. Il va se faire défoncer à la fin. Allez, pour la griffe. Allez Enzo, go. Je sais que toi tu vas prendre pour la griffe. Après même Kiki ça va. En soi. Juste qu'on aura peut-être plus de mal à le combattre du coup. Ah mais ADP en plus, bien. Ah c'est cool ça. De toute façon je pense que si Yimonde il prend le poids gris, je le laisserai parce que sinon on va être dans la merde. Est-ce que j'ai une attaque super efficace ou je fais des coups de main? Bon on va faire des coups de main. Vu que je sais que lui. Il y a des attaques combat. Allez les mondes. Ah,
Il fait vraiment triple axel là. Il utilise vraiment ses triple axel là maintenant. C'est pour sérieux. Oh mais il nous fait perdre toutes nos vies quoi. Putain. Ouh. Ça c'est bien ça. Allez, on se refait la même. Et il est mort. Et ça a quelque chose, soigne-nous. Ouais. Allez. Oui, attaque. Oh merde, il a fait piste au point. Oh non, attaque-moi. Ça va, il a tanké. Allez, Pandarbar, fonce. Heureusement qu'il y a des bœufs après. Sinon, ça aurait été vraiment la galère. Par contre, si personne ne le prend, je vais être obligé de le prendre, quoi. J'aurais pu faire une attaque ténèbre quand même. Oh putain, c'est à lui d'attaquer. Ok. Oh, mais ben putain. Alors, des mondes quand même. Wenzo. Non, il monte. Non. Vous abusez, les gars, vous abusez. On est dans la merde.
Vas-y, c'est t'as du monde, il va nous faire perdre, quoi. Ok, on tank. Oh non. C'est la fin. C'est la fin. Et j'ai tout misé sur la chance, mais vu que j'en ai pas, bah c'est la fin. J'étais à 99% sûr qu'on n'allait pas réussir, quoi. Mais what? Mon Dieu, je suis choqué. Yes! On l'a rebattu au moins une fois ce soir. Bon. Au centre du petit craco, ce petit poule à griffe, le petit gir. Bon, bah, toujours rien. Oui, conserver. Allez, je garde. C'est reparti. Oh, bon. Je pensais qu'il allait prendre l'autre. Un petit team gaz sur le chemin? Est-ce que des faisons, il n'y aurait pas garde large? Qui peut être pas mal aussi en vrai. J'ai un doute sur le fait qu'il y ait garde de l'air, lui.
me semble que dans Pixelmon, je l'ai avec carte de large, mais je suis pas sûr. Tension. Double volet. Oh, non, ça va. Oh, mais putain! On a tous des attaques super efficaces, là! Deux. Et toi! Allez! Et est-ce que tu nous l'achèves avec Ryomax? Pas loin, pas loin. Ah, ça c'est moins cool. Bon, pour autant faire ça, on va quand même économiser notre truc. Alors, hop, du coup, on va bientôt avoir la réponse. A-t-il garde l'art ? Il a pas garde l'art. Merde. Bon. Bah, on va faire ça, hein. Ok. Alors qu'est-ce qu'il y avait ici de... fait poison. Allez, type fait. Comme ça, peut-être que l'exploit tu changeras avec le scientifique. Peut-être pas mal. Alors, tu peux Dynamax, mais ça ne sert à rien. Est-ce qu'ils ont vraiment une attaque efficace, eux? Dans le doute, allez, on va le faire quand même. Ta-ta-tan. Bah alors, pour Egon, qu'est-ce que tu fous?
Ouais, gars. Hop, ouais, gars. Ah, ça c'est con. Ok, tant pis, tant pis, tant pis. Déçu. Oh non. Bon, là, va falloir lui faire des dégâts, les gars. Allez, c'est parti. Ah, là c'est bien. Mais... Putain. Oh mais non! Il a bu là! Mais il faut exprès, c'est pas possible! Ouais, sprint, il est bien boosté là! Il est bien boosté! Allez, faut lui faire des dégâts, faut le toucher. Oh, en plus, il dynamite. Esprit, ton compte sur toi, alors. Là, faut lui tuer ce tour-ci. Sinon, on est mal. Oregon? Comme ça. Oregon, on t'attend. Allez, fais-moi des dégâts là. Oh! Parfait. Allez, on y achève. Pouvoir antique. Oui! Ils ont enfin fait autre chose qu'une attaque électrique. Bon, en vrai, c'était plutôt pas mal. Vu les dégâts. Vu les dégâts. Hop, me l'offre. Ouais, il n'y a même pas d'attaque fée. Pas foufou. Allez, let's go, s'il vous plaît. Ah, Dracmara, il change.
Ok. Tac. Mais Extreme. Extreme, il va falloir que tu changes aussi, hein. Sinon, on va se faire défoncer à la fin. Ah d'accord. J'espère que tu sais ce que tu fais, mais je fais hein. Enfin, bel crâne. Pas fou. Bon. Tatatatum. Est-ce que pour te dire, j'essaie quand même de placer un petit coaching? Je sais pas, ça va être tendu en fait. Peu de critique à lui. Allez, let's go. Ok, ça c'est bien. Oh, normal au max. Vas-y, continue à faire des trucs comme ça. Ah non, il descend à notre vitesse. Nul. Oh, mais je suis fait mal, nous. Coup critique et tout. Bien. Ouais, je pense que ce tour-là, on peut achever. Allez, go. En plus, cette fois, avec les sprints, il pourra faire un peu de dégâts. Donc ouais, j'ai repris. J'ai perçu ce que les sprint se prendra à la fin quoi. Allez Porygon, t'attends. Qu'est-ce que tu fous? Porygon, 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 Porygon. Ah oh. Sobre. Si fait que ça. Comme ça on perd pas de. On perd pas de PV. Ouh il est pas mort. Ouh il est pas mort. Oui il est mort. En vrai Mimikyu j'ai déjà eu enchaîné je crois. Du coup si on la prend en shiny c'est pas tout agréable.
Ah, mais il n'y a pas d'attaque fait. Enfin, pas d'attaque qui attaque en tout cas. Mais c'est toujours cool. Et l'exprint, faut qu'il le prenne quand même. Allez, l'exprint. Et l'exprint. Bon, il peut pas choisir même. Et l'exprint. Non, l'exprint, oh non, mais vous êtes nuls. Honteux. Vous êtes honteux, les gars. On va être dans la merde. Il va nous one-shot avec sprint à chaque fois. Je tente le coaching quand même. Allez, on va dire qu'il va faire étreinte. Donc on fait coaching. C'est parti. Quoi, il Dynamax lui? Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi? Mais pourquoi? Mais je ne comprends pas. Pourquoi ils sont cons? Non, après je vais rien dire parce que tout à l'heure, on a dit que j'allais perdre et puis on a quand même gagné. Mais j'aimerais bien qu'ils jouent. Oh, si Paimon est pas là et qu'il fait pas la bonne attaque à chaque fois, ça va être chiant. Ça nous refaire comme tout à l'heure, mais à la fin au lieu du début de la game. Pas cool. Ça c'est un coup critique et ça fait que ça. Une attaque spéciale, ok. Ça sert à rien. Ouf. Bon, là les gars, va falloir assurer, hein. Pour les grands, je compte sur toi. Putain, mais il a fait tricherie. Mais au secours. Nul, Porygon, nul. Nul. Honteux même, honteux. Ta-ta-ta. Vas-y, pour Ibon, une classique. Pourquoi les gens ils partent en combat? Je comprends pas. Bon, bah, je pense que c'est la mort. Hein. Oh, un PVC ça met en ligne. La défense des alliés. Ouais, super. Il y en a quand même deux qui vont mourir. Wouah, bonjour. Et ça m'a déplacé sans être là. Ouais, de toute façon, il est jamais là. Jamais à l'heure, ce mec. Bonjour, j'ai fait ma première nuit blanche de toute ma vie pour finir un projet. Enfin, pour sauver un projet plutôt, mais aussi finir. Waouh. Je suis fatigué. Et putain, mais Porygon, ça sert à quelque chose. Pardon, je suis avec des totos. C'est pas grave.
Ouais, je sais que t'as l'habitude vu ton pseudo, mais... Ouais, voilà. Le Toto. Toto à son insu. Aïe, aïe, aïe. Bon. J'espère que mort, il va nous servir à quelque chose, lui. Ouais, faut peut-être qu'il y ait de l'autre, là. Non, mais jamais, là. Hey. Putain, mais le pourrigon qui s'est barré, quoi. Je suis un jour. Oh, et en plus, son encouragement, il a servi à rien. D'après son live, il arrive dans 12, 11, 10, 9, oh merde. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waouh. Ah d'accord, il parle sur son stream, mais il est pas sur l'appel. Bah, il fait son intro, hein, écoute. Bon, et bonjour. De toute façon, il est jamais. Oh. Bonjour. Je me guidais de ton live pour savoir où on était. Là, c'est bon, je vous entends déjà mieux si je mets le son. Ah oh, merde, il est pas dans. Qu'est-ce que vous avez dit, Andrin? Oh, rien. Moi, j'ai dit que je mettais ton live pour savoir. En vrai, on va baisser un peu le son, parce que. Alors, attends, voilà. On va mettre le mot de passe de la mort. Oh, attends, attends, et oh, la tu même pas encore mise. Oh putain, mais qui est long. Ah non, mais à 23h, il commencera seulement. Moi, je viens d'arriver, moi, les gars, je viens d'arriver, c'est tout. Oui, ça, on avait remarqué. Je suis pas du tout en retard, je veux rien entendre. Ouais, bien sûr. Je vois absolument pas de quoi tu parles, Pika, je suis pas du ouais, tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais pas du ouais, tout. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quel petit bâtard. Pourquoi que tu parles. Mais allez, pourrigon, ça sert à quelque chose dans ta vie. Alors, Zygarde, ça avance. Bah, ça avance comme un Zygarde avance, hein, écoute. D'accord, donc c'est la merde. Merde, c'est pas la bonne. Là, non, mais voilà. Je vais aller chasser sur Pixelmon, je pense que j'ai plus de chances de l'avoir là-bas. Bah, bonne chance pour avoir les 100 cellules de con. Ouais, t'inquiète. Il est déjà. Dans l'autre, le gars il aura déjà farm jusque là. Il me reste un PV. Non, il veut lancer son un PV. Putain, il a vraiment crevé l'autre. Ah oui, il rigolera plus pour le. Il y a un loup MDR. Yeah. Ah, il rigole quand même un peu. Il est éclaté, mais pas trop. MDR, il y a. Je suis éclaté au sol. Waouh. Bon, bah, le tour suivant, c'est la merde. Ah, bah, attends, je peux y aller, c'est bon. Il a fini de. C'est... Oh non, je meurs de l'entrainte. De l'étreinte. De l'étreinte, parce que l'entrainte. Bah, moi, j'aime bien avec elle. Hein. Ah, bah ça après ça. C'est un autre détail. Nul, nul Zygarde, nul. Partir en expédition. You mon sirop. J'ai pu connaître ce que ça fait d'être un développeur qui doit rendre son jeu à une date précise et qui doit faire des heures sup durant la nuit pour. Le crunch. C'est ça. Bah, donne le jeu de quelqu'un d'autre. Et ça fait du bien. Bah, disons que c'est comme pour Cyberpunk, il y a encore des bugs. Autant qu'avant. Non, en vrai, non, en vrai, c'est jouable. C'est pas. Bon, le seul. Il y a vraiment un bug où vraiment c'est un peu chiant pour jouer, mais tu peux essayer de contourner le problème si t'es bon en lancer. D'accord, faut pas que je joue au jeu. T'inquiète pas, j'ai fait tester à genre plein de personnes. Attends, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, genre 5 ou 6 personnes et ils ont réussi à finir le jeu. Et ils ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé. Ou qu'ils avaient juste aimé. Mais c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Ouais, bon, ils ont fait les faillots quoi.
Bah non, parce qu'ils aiment bien m'insulter, en vrai, c'est que c'est un peu comme toi, plutôt. Putain, c'est dégueulasse. Non, en vrai, je sais pas si c'est le côté VR qui fait ça, ou si c'est mon jeu qui l'est, mais ils disent que mon jeu, il est amusant, donc je sais. Après, du peu que t'avais vu, PV Social, t'as mis genre, hein, t'as mis genre. Oui, bon, c'était sympathique. Si t'arrives pas, si jamais tu ne pourras jamais y jouer, si jamais il n'est pas dans l'entreprise. Ah, des possibilités que non. Bah, je sais pas, hein, imagine le mec, imagine le gars, il fait oh, flemme. Genre, imagine, il a juste proposé le projet pour que nous on ait un projet, mais que sinon ils sont pas des couilles en vrai. Ah! Peut-être qu'il a fait ça pour nous, tu sais. Bah, si c'est le cas, de toute façon, j'ai une vidéo dont tu verras une démo de moi qui rage. Ah oui, je prends le farfuré. À 6h. Oui. Tu verras une démo de moi qui rage à 6h parce que je veux me coucher et qui est obligé de tourner une vidéo de jouer au jeu. Oh, il y a un team quest, ça va. Mais si jamais tu joues, je te dis un truc. Hein. Pourquoi t'as démaxé ton intro? Mais je sais pas, de toute façon on s'en bat les couilles, c'est un frison de merde. Oui, donc je disais, il y a un truc que tu dois savoir, tout le monde est d'accord avec ça, le niveau 5, c'est un cauchemar. Je l'avais le niveau 5 quand j'y ai joué. Ah bah non, c'est arrêté à 2-3 niveaux. Non, en fait le niveau 5 il était en cours de préparation, donc il était pas encore fini. C'était le truc avec le plafond ? Y'a pas de plafond. Bah le... Bah alors non, c'est que je l'ai pas vu alors. Y'a jamais eu de plafond. Non mais le plafond qui bouge là, qui faisait de la colle, là, qui collait. Bah c'est pas un plafond, ça s'appelle un mur. Un plafond, c'est un mur à la verticale, à l'horizontale. Ah non, non oui, t'as raison, à l'époque c'était un plafond. De quoi? A l'époque, le niveau 5, j'avais fait un plafond, mais je l'ai changé parce que ça marchait pas, ça buguait. Ah! Donc, non, le niveau 5 a changé parce que il était nul avant. Bah, il est encore nul, mais. Moi j'avais réussi le niveau 5, hein. T'avais triché, je crois. Je crois que t'avais. je crois qu'en vrai, t'avais un peu cheaté. D'ailleurs, en tout le temps. Non, j'avais vraiment lancé fort sur la plateforme, mais ça avait bien rebondi. J'étais heureux. Ouais mais justement, je crois que c'est genre, ça avait bien rebondi mais genre ça avait traversé la plateforme collante. Du coup ça pour ça j'ai peut-être cheaté. J'étais atterri quand même au bon endroit, ça a même collé la plateforme de merde. Non t'as triché. Ah t'as collé, je crois que ça avait pas ouais, traversé. Bon Pika ta gueule hein. Mais assume, de toute façon une fois de plus ou une fois de moins, ça change plus rien avec toi. Peine ta mère. J'ai pas triché, ok. Mais en parlant de triche, ouais, du coup les gars, les mecs, ils avaient des petites astuces parce que bah, il y avait plein de petits bugs dans mon jeu. Il n'y en a qu'un seul qui est un peu chiant pour continuer, mais sinon en vrai ça va. En vrai tu peux les. C'est juste des trucs rigolos ou alors un peu relou. Et il y a un mec. J'ai cru voir un speedrun, tu vois les speedruns souvent t'as ils explosent des bugs de collision et des trucs à la con là pour pour accélérer. Le gars genre à un moment il a le choix entre faire une balle collante ou une balle rebondissante et normalement il fallait faire une balle collante pour essayer tout ça. Le mec il fait une balle rebondissante, il fait eh non il fallait faire une balle collante et tout, mais il s'en fout, il continue à jouer. Mais pourquoi il m'écoute pas? Et là en fait normalement il y avait une vitre en face de toi pour t'empêcher d'avancer. Et en fait ce qu'il fait c'est qu'il prend du coup son noyau qui est rebondissant, il l'envoie fort sur la vitre et avec les bugs il passe au travers. Ça passe au travers. Moi je vais l'aider à avancer. T'étais pris pour un speedrunner ou ça se passe comment? Et en plus il trichait parce que au lieu de se déplacer dans le jeu, il se déplaçait dans la vraie vie pour s'avancer vers les trucs. Oh le bâtard. Le mec vraiment il s'est cru. Ouais donc c'est Mathieu. On va rien y penser. Mais j'ai pas joué cette partie là. Je suis mort. Putain il triche sans jouer, il est trop fort. Ferme ta gueule. Speed up là. Oh le. Ah merde. Chasse-bug pour cheat.
Mais je suis pas bon. C'est marqué dans mon CV, c'est bon, je shit pas. Non mais je suis content que même s'il y a ouais quelques bugs, les gens ils aiment bien. Ils disent que c'est marrant et que c'est que, qu'en vrai il est très bien mon jeu. Genre ils avancent et ils tapent une barre. Je suis content quand même. Je suis content que en vrai mon jeu il soit aussi bien pour un truc fait en 3-4 mois. Oui. Et que j'ai pu sauver mon projet. Il peut sauver le projet de Hervé Max. Ça m'a coûté une nuit, mais ça valait le coup. Ça m'a coûté tout ce que j'avais. Qu'est-ce que ça t'a coûté? Absolument tout ce que j'avais. Les bonnes références, mon gars. Mais fiche de pute Oh quoi, ouais. J'étais paralysé, il me restait plus de vie. On n'avait pas dit deux. Donc on se calme. Ça pourrait être joli. Moyade, viens là. Et t'as voulu aller où pour la peine? Feu. Ah bah moi aussi. Ta-ta-ta-ta. En gros, c'était soit poison, combat ou. Mon portable, c'est quand même le seul qui peut se retourner à l'envers, hein, niveau écran. Genre, il peut faire vertical, horizontal des deux côtés, mais il peut faire vertical des deux côtés. Donc là, mon téléphone, il est à l'envers. Mais l'écran est à l'endroit. Là, c'est bien. J'ai rien de super efficace, c'est super. Dites-moi, bataille de couilles. Notre équipe. Puissant, hein. Puissant. Aussi gros que la tête de Moyade. Qu'est-ce qu'il dit ? Quoi ? Un. Deux. Bon, pour la peine, je sais pas si vous êtes, s'il y en a parmi vous qui sont rapides, mais. Je fais quand même. Mais ça fait deux fois de suite qu'il dit la max, ce fils de pute. Oh, les dégâts ! Oh, oh, oh. C'est White Sam là. Oh, horrible. Écosphère. C'est White Bison. Et qui a magique. Oh non, ça attaque tout le monde. Point éclair. Oh oui. Ça continue. Ce n'est que le début, d'accord, d'accord. Allez, on le fume. Oh là là, quel jeu de qualité. Qu'est-ce que tu fais? Je vois. Mais j'aime bien. Ce Zygarde, il me prend mes degrés mentaux. Tu fais le qui? Non. Mais quel est... Non. Ah, c'est là. Ah, oh, vas-y. Merci. Non. Arrête. Ah bah quand même. Ouais. Poison. Ouais, elle est mort. Et puis les Pika, les gens sur le serveur Pixelmon, tu les connaissais? Ah non, pas du tout. Ah. Parce que le musée, le mec, il a ramené des gens, il a réussi à trouver des gens pour jouer. Non, c'est un joueur qui est sur le serveur de Discord qui les a ramenés. Oh. Voilà. Mais ça fait déjà vie. Et cool. En plus, il y a des gens qui viennent plus tard. Genre RV Max, hein. De quoi? Non, ta gueule. Oh, mais calme-toi. Hey, oh, calme. Moi, je suis gentil, j'invite et il dit gagné. C'est quand que tu réussis à convertir Bay? Je lui ai dit que. Il a dit. Et ceux qui s'en foutent de Pokémon, je lui ai dit bah tu seras ban. Ah, c'était pour ça alors cette discussion. Oui. Bah oui, mais t'as. Je sais pas si c'était posé totalement. C'était. Bah c'était totalement posé au pif sur Fourtou, mais c'était le lendemain. C'était le lendemain quoi. Mais pas du tout. C'est... Ah putain, j'avais pas vu la discussion au-dessus! Bah oui, c'est lui, il met 2 ans à répondre aussi.
J'avais pas fait gaffe que c'était à lui qui parlait. Nul, les prix à luxe seraient nuls. Ah ouais, toi tu t'es arrêté au gif en fait. Oui. Putain. C'est un toto. Je donne des coups, je dis pas. Hein. C'est un toto. Exagère. J'avais un Shani sur un serveur Pixamon. Mais ça. Il est insupportable. Quoi? Insupportable avec Pixelmon. Insupportable. Pas du tout. C'est insupportable. Mais pas du tout, mec. Oh là là. Frappe au second tour. Infuse des dégâts à l'ennemi. Frappe au second tour. Infuse des dégâts à l'ennemi. Pancake. Milkshake. Oh, un nez crémeux. Ah bah d'ailleurs, j'ai aussi joué. Putain. Roulade. Vite, faut sauver Soldat Metang. Vite. Le soldat Metang. Le soldat Metang. Le soldat Metang. Pas bien dans sa gueule, dans sa tête. Le soldat Metang. Oh, vive le vent, vive. Vive le soldat Metang. Vive Metang de Pika. Petit papa m'étend. Quand tu descendras l'expédition, t'auras peut-être un shiny. N'oublie pas d'enculer Hervé Max, hein. Ah, ça va faire mal quand même. Quoi? Pardon? Hein? Hein, alors ça part en ban. Non. Oh t'es gueule. Tiens, je banne. Je me disais. Deolink. Ouais bah tu continueras de te le dire. Deolink, il veut faire sur sa principale. Je sais pas, j'en ai rien à foutre. Merci. Je suis pas follow donc. Mais attends, mais il s'est touché avec Normal au max alors que t'es spectre. Tu connais Deotune. Non, on a changé de sujet, on en a rien à foutre de Deotune. Déjà que DO, il en a rien à foutre tout court. DA. Maintenant je connais DA. DA. C'est bon, il a j'ai la rêve. J'ai la rêve. C'est bon, c'est. C'est bon, c'est. Et il pile. J'ai la rêve. Non, mais c'était Lopa quand je vais à Mythopia. Pas DO, c'était DA. Quoi, il allait à bord, cet enculé. Prends-le, X-Ray, prends-le. Oui. Oh. JDG 2011. Par contre, on a plus de vie. Bah oui. J'ai jamais autant chialé de rire. Oh putain, mais je suis survie. J'ai pas fait exprès, je vous jure. J'ai la plus Shrek. Ah, JDG 2011. Quelle bonne barre. Posé dans le club. Le maire François Hollande. Ah putain, c'est vrai que j'ai pas pensé à faire des youtubeurs.
sur Mythopia. Je suis con, on va réduire sa vitesse. Ah, j'ai n'importe qui, contre... j'ai même des politiques, mais alors... Par contre, ouais. Vraiment, il avait pas de chance. Déjà le TDG 2011, mais ensuite le... Comment le... Ah oui, le Madiba, je crois que c'était. C'est Madiba ou Mastu? Ah oui. Je sais plus. Vraiment, la... genre le jeu voulait qu'il se prenne à ban. Alors, réduit la vitesse. Le jeu voulait créer des dramas. Mais surtout que, avant que tu choisisses le personnage, tu sais la tête qu'il a, tu sais le costume qu'il a, c'est ça qui m'étonne qu'il a pas fait gaffe. Putain. Peut-être qu'il a fait gaffe, mais qu'il fait genre pour pas avoir de problème. Je pense, oui. Ah, quoique, le roi... Le roi, tu vois juste sa tête, quoi, tu vois pas le corps. Ah oui. En vrai, ça tous peut passer. Tous les personnes, tu vois que la tête et le chapeau, à la limite. Mais c'est tout, quoi. Ok, je vais faire la seule attaque qui est utile dans tout ce putain de truc. Ça peut passer. Merci Harvey Max. Eh ben je ferai pas la seule attaque qui est utile. Si par pleurer il arrive à attaquer. Il fallait me laisser ton putain de bison de merde là. Non. Je crois que ça marche. Bison futé. Allez, vas-y, allez. Bison puté. Ouais, vas-y, ouais, let's go. C'est rigolo. Sans rancune. Pourquoi ça s'appelle sans rancune? C'est genre tu envoies 100 fois quelque chose. Oh là là, et ça passe. Il y a même pas eu le temps de se transformer. C'est rien, j'en sais rien. T'as vu, je suis un Super Saiyan, il y a du rose qui apparaît autour de moi. Ouais. Tu. Je suis tellement puissant. Gros bison, Buffalo Grill. Vous avez fini de faire des pubs là? Pourquoi des pubs? Déjà bison futé, puis après Buffalo Grill. Mais bison futé, c'est pas la dernière pub que j'ai. Non mais disons que tu peux une. Tu au parles de ça quand j'étais gosse. Putain, ça date. C'est ouf. Attends, tu l'as fait une. Ah non, j'ai fait. Pendant un moment, j'ai fait une pichenette. Une pichenette. Oui, une pichenette. Putain, il a pissé dessus en même temps, c'est ça. Putain, même écrémeux fait plus mal que toi. Ouais, mais écrémeux, c'est le cauchemar de toute une génération. Ouais. Enfin non, parce que moi je sais pas pourquoi il m'a pas marqué moi. Non, j'ai des combats qui m'ont beaucoup marqué. Genre un combat qui a marqué plein de gens et qui m'a marqué moi aussi, c'est des combats le je sais pas le premier, mais un combat contre Flora dans le Ruby original, Ruby Saphir. Moi le combat qui a dû le plus me marquer, c'est contre je sais même plus son nom. C'est la championne de type Spectre dans Diamant Perle. Ah oui. Je connaissais rien moi type Spectre. J'essaie de taper avec des attaques normales, combat, et ça t'a touché pas. Est-ce que tu considères que ça t'a plus marqué parce que c'est plus vieux et tu t'en rappelles encore, ou est-ce que tu considères que ça t'a plus marqué parce que c'est celui que c'était dur. Parce que c'était dur. Parce que celui que je me rappelle le plus, parce que celui que je me rappelle le plus, c'est pas avec Flora, parce que j'étais plus jeune. Celui que je me rappelle le plus, c'était contre Iris dans Noir 2 Blanc 2. J'ai dû cheater. Et j'ai dû utiliser des Pokémon niveau 100. Ah, qui peut le plus marquer, sinon, non, il n'y a vraiment aucun. À part celui-là, parce que je me souviens en avoir eu marre, j'en avais marre de faire un combat contre elle. Depuis qu'elle est dans Master, du coup, t'as désinstallé le. Pas depuis que j'ai appris que dans la version anglaise, elle parlait français. Ah. Je comprends pourquoi elle est chiante, quoi. Ouais, c'est genre. Elle est aussi douée que toi en anglais. Donc nous, dans nos versions françaises, elle parle un peu anglais, mais dans la version anglaise, c'est français. Et je sais plus dans quelle langue
crois qu'elle parle espagnol dans je sais plus laquelle des langues. Ça veut dire que du coup dans les deux versions, c'est le même texte. Pardon ? Puisque dans la version française, elle parle un peu anglais, et dans la version anglaise, elle parle un peu français, c'est donc le même texte. Je pense que c'est plutôt le contraire, genre c'est des expressions françaises placées dans des textes anglais, parce que nous on utilise des expressions anglaises dans des français. Je sais, mais je voulais faire une un paradoxe. Ah, Mera, voilà, c'est ça. Attends, on a reçu oui, oui, le talent, mon gars. Le Dynamax de vous amputer. J'essaie de faire vivre un peu la blague de Pika, parce que c'est tellement triste hein, comme blague. Non, mais moi j'entends plus le rajout ici de toute façon. On sent que quelqu'un qui a l'abandon dans ce genre alors, de blague. Il s'appelle. Il va te kick, quoi, ouais, tu vas voir. Alors, slash ban. Putain, c'est vrai pour ça que j'aimais pas Chimera parce que je faisais toujours des attaques seul, mais soit ils ont lévitation, soit ils sont type vol. Et quand ton starter c'est Torterra et ta meilleure attaque c'est séisme. Tu veux te calmer hein, c'était il y a... Quoi? C'est cool. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ta gueule? Quoi? Pourquoi? Non, pourquoi j'ai t'es méchant annulé pour la 16ème fois dans ma putain de pourquoi vie. T'es méchant merde. Comme ça là, pourquoi t'es un connard? Alors ouais. Alors écoute-moi bien tu. Il a été créé par Hervé Max durant une blanche. C'est-à-dire qu'il marcherait bien. En fait, Hervé Max, faut qu'il code les nuits blanches. Sinon, ça marche pas son jeu. La règle. Bah, tu me dis. Tu dis, bah, il marche pas non plus bien. C'est pas non plus le meilleur jeu du monde. Hein, en même temps, y a pas de pied. Bon, après, t'as pas non plus 20 années d'expérience. Hein. On va se calmer. Hein. Bon, tu me diras, ça crache plus du tout. Et y a juste le dernier niveau où ça lag. Parce qu'il y a plein de trucs à l'écran. Ah c'est à moi. Bah oui bah lui il a pris un ténèbre hein, moi j'ai rien. C'est toi. Ultra laser. Juste ultra laser. Ah bah ténèbre. Ah bah spectre. Ah bah oh putain, il y a deux ténèbres et un spectre. C'est parfait. C'est comme mon jeu. Non, mais ça va, je suis. Non, mais je me dis que j'ai réussi à faire des jeux VR et ça tombe bien. Alors, ben, un jeu VR et ça tombe bien. Je vais faire plus facile que ça. Je vais faire des jeux. C'est l'idée. Morpeko. C'est vrai que c'est ténèbre ce truc. Cette millième copie de Pikachu. Bon, en vrai, c'est la millième copie de Pikachu que je préfère. Oh non, elles sont tous éclatées. Oh non, tu allais bien, elle est un peu plus originale celle-là. Ça reste un Pikachu, tu pourras dire tout ce que tu veux. Oui, mais il devient de l'arc parfois. Non, mais il est salé. T'as pris qui toi déjà? Alors c'est génial parce que moi je défends et lui il met les trucs. Merci, ah, bah, merci monsieur Hervé Max, merci. JT sur 10. Noter mon action sur lui. On peut aller en dessous du zéro. Ah, déçu. Putain, ultra laser en extract, c'est toujours aussi fort. C'est de bah, ne t'as pas le tour de recharge. Par contre, l'expo force, il est moins fort en dynamax. Oh non, pas sûr. Oh, ça je pense à rien moi, il y a des attaques qui sont moins fortes. Je connais pas les logiques des attaques moi.
Peut-être parce que c'est une attaque spéciale, j'en sais rien. C'est genre attention explose pour 120, attention je suis gigantesque et maintenant mon attaque va faire 95. Prends une pichenette, tu fais pouf. Moi je suis pas content. Pouki pouki pouki. Ouais. Faut pas réagir comme ça, Piquin. Il a fait mal, fils de putain, pense à dans ta gueule. On va te fumer. On va te fumer, on forêt de toi la griffe. Tiens, dans ta gueule. On va te mettre cher. T'as fini? Connard. Maintenant, oui. Ah. Fils de pute. Bouffon. Gaston, t'es mort. Oh. Calme-toi. Non, je me calme pas. Je vais te calmer. Non, je me calme pas. Toi, tu vas te calmer. Ok. Mais pourquoi vous servez à rien, les gars? Ouais, tu fermes pas ta gueule. Mais Pika, mais va retourner jouer avec des vers de terre et me casse pas les couilles. Bah, c'est pour ça que je joue dans mes box de toi. Ça va jouer à Worms. Putain, quand je vais avec nos vers de terre. On va pas sortir du contexte. Non. C'est rigolo. Les phrases vis out contexte. Je vais capturer avec une hyper beau, ça me va bien. Bah c'est hyper bien. Non, c'est hyper beau. Là. Hyper beau. Parce que tu veux pas aller te coucher. Mais bande de Toto, ils ont été au type sale. L'aide des Toto. Comme Hervé Max. Putain. Grande tête Toto. Grande tête Toto. Grande tête Toto. C'est le vrai GTA, mon gars. C'est enfin, le vrai GTA 6. Le GTT. Grande dame Toto. GTT. On va finir en RTT, au secours. Ah, t'as cassé le blague. Ouais, j'aime bien casser le blague. Il a tout gâché. Ah, t'as tout gâché, Pika. Non, mais c'est parce que vous êtes pas assez mature pour la comprendre. T'es nul. C'est pas assez mature. Tu sais ce que c'est un RTT quand même. Non, je suis sûr que tu sais pas. Coup de boue. Ah merde, c'est sur nous. Pas coup de boue. What? Ah, ce blanc après. Bon alors, bannir de Toto. Le grand Zef Toto, ça nous a terminé. Le grand Zef Toto, ça nous a terminé. Putain, je veux voir ce jeu un jour. Putain. Pourquoi j'entends un rire? Pour rien. Tiens, mais il va y avoir que des segments là-dedans. Je ne suis pas du tout en train de faire un clip. Putain, mais c'est pour ça. On sait tout maintenant, on sait tout. Ça, c'est vraiment nul l'armure rouillée. Tout. Enfin, c'est bien sur le papier, mais. Bah, mais... pas trop, vu que c'est un peu rouillé. Le papier, ça roule pas. Encore, c'est bien sur le marbre. Dis pas. Oh, fais-le encore.
quoi. Il va y avoir du PvP sur le circuit. Ah là là. Intimidation de creepy. Putain, on a bien entendu là, vous êtes des totos. Ça c'est pas prévu. On reconnaît bien Pika là. Eh, mange tes morts. Vous connaissez ça dans tout le monde. Pourquoi il dit mange tes morts alors que c'était vraiment ça? Eh, mais ferme tes yeux. Non, mais il aime pas être lui-même. Pika aime bien prendre la personne des autres gens. Bah, c'est comme toi qui parle de toi dans au collège. Deux, Pika, honteux. Quoi? C'est comme toi quand on parle de toi au collège. Ta gueule. Oh, ça sert à rien de ça. J'ai rien compris. J'ai dit, non, ça sert à rien d'os. Ah. Déçu. Manique ta mère. J'aurais pas dit mieux. Oh putain. C'est stress. C'est ferme ta gueule. Oh non, mais il fait trop beau. Allez Brett, change Brett. Change. Brett. Et pas Brett, lol. Brett, Bretagne. Putain. Alisson. Et je m'en bats les couilles, on va... Il va nous être handicapant s'il prend pas le ténèbre. Bah, tout ta gueule. Oh les cœurs. Que t'as pas que ce salon donc je peux te dire. Eh, ça vous dirait de faire mes boucs. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ton ami. Bonjour. Non, j'ai fait mon clip, c'est bon. C'est vrai que j'ai même pas regardé l'autre clip que tu m'as dit. Ouais, t'as regardé ce que j'ai? Toujours pas. Ouais, c'est vrai que t'as même pas regardé. Ça fait mal. Justement, tu dis ça dans le clip, hein, moi. Tu dis ça fait mal. Oh, il y en a un qui a survécu. Allez, on va refaire un clip de ça. Du coup. Non, mais du. Ça fait mal. C'est juste parce que t'as dit ça fait mal. Non, mais non. Un clip, il faut qu'il soit parfait. Il faut que le ton, l'ambiance. Genre la claque de Pika. C'est genre le quoi? La claque. Non, Arc. Ah, c'était parfait. Même moi qui regarde pas souvent Arc, là je disais que c'était parfait. Bah, c'est le plaisir qu'on fait du contenu qui plaît. C'est un sarcastique ou... Bah oui. Tu dis que tu regardes pas l'arc. Bah c'est pas que je regarde pas, c'est juste que... En fait maintenant je regarde un peu plus parce que j'ai vu qu'il y avait du potentiel. Mais donc il regarde les... Mais donc il regarde les clips, il dit c'est vrai qu'il y a des trucs qui aiment. Pas souvent, mais il y en a. Mais disons que ouais, c'est pas mon type de jeu. Oh, je suis vénère. Par contre, elle n'a rien. Oh. Ouais, c'est moi qui vais le tuer. Ouais, yeah. Quoi, et survie. Bah, d'une, c'est son salon, du coup, c'est un peu nous les. Du coup, ouais, c'est vrai. Ouais, t'as un problème, tu veux te taper? Bah, oui. Vas-y, moi je t'attends là, vas-y, viens, sache bonne. Pika, tu peux partir de ton salon? Ah mais il pose la question, il sert à quoi Pika dans le salon? Mais c'est son salon en fait, il fait ce qu'il veut. Ban. Tu l'as vraiment dégagé? Putain, il l'a vraiment dégagé! Je vois que tu parles. Le bâtard, il l'a dégagé. What allez Brett, allez Brett. Mais Nick... Je n'accepte pas cette... Ce traitement. Ah merde, il y a l'autre con. J'ai été blasté quand même. Oh merde. Ouais, c'est je banne. Ah la vie d'assurance, ça va être bien.
quoi, l'assurance auto? Moi je peux aller. L'assurance toto. On a vu une assurance. L'assurance toto. Je veux voir ton assurance un jour. L'assurance il veut voir tous les trucs avec toto. Sauf toto, reste chez moi. Qui écrit sa marque toto. La marque toto. Sponsorisé par Carglass. Toto. Toto. Putain, je me mets à chercher des parodies à Toto maintenant. Putain. Et j'ai pas d'idée. La Toto. La Toto. Putain. Bien tenté. J'ai l'impression que c'était un game over, genre essaye encore. Putain, il s'allège le con. Toto, la référence qualité-prix. Vous savez, contrairement à... Oh putain, oh la vache, c'est là. Ah oui, d'accord, ah, quand même. Tu vas aller chercher loin. Hein. Ça sera... Ça sera le nom de mon... Le slogan de ma prochaine pub. Putain. Ok, c'est bon. C'est cool, ils m'ont pas entendu. Sage ban. Toto Goff lui frappe dans la boîte, Toto Goff il te la renvoie. Croco Goff, putain. J'ai complètement oublié ce truc. Toi aussi, parodie Toto. Oh merde, je ne saurais pas dire cette phrase. Venez, le prochain légendaire qu'on fait, c'est Toto Pisco. Oh. Toto Yo-Yo. Toto Yo-Yo. Qu'est-ce qu'il y a sous mon chapeau? Toto Yo-Yo. Sur ma tête, y'a un tas d'oiseaux. Elle est morte. Et l'oiseau avec. Fin. Bah, on lui avait dit de pas mettre des oiseaux sur la tête en même temps. C'est dangereux, c'est des dinosaures hein, dans un sens. Pourquoi ça s'est transformé en interview BFM TV? En même temps, on avait des oiseaux sur la tête. T'as osé nous comparer à BFM TV là? Tu me déprimes. Moi je dis qu'il devrait se renommer Toto TV. Hein. Hey, c'est tous ses amis. C'est Toto la parodie. C'est Toto TV qui fait plein de parodies. C'est Toto. Après TikTok, c'est Toto. Ferme ta gueule. Toto. Qui est là? Toto. Vous connaissez les blagues de Toto? Ça va loin. Il y a un mec dans ta partie Pika qui s'appelle Mom. Ouais, je sais. C'est la mère de Tom. Ta gueule. Ferme ta gueule. Deux mots changeants, Toto. Il y a Mom, il y a Pomme, il y a Tom. Il y a quoi? Quoi? Ta gueule. Ferme-la. S'il te plaît. Dommage qu'il n'y ait pas de ratata dans le film. Et apparemment, même Mom, c'est un homme. Putain, ratata en toto, ça fait rototo. C'est mieux. Oh putain! Il va tenter vraiment toutes les stratégies possibles pour placer le Toto. Toto, l'enfant Toto. Ah ouais là, franchement, on racle la poubelle là, hein, niveau idée.
Ouais, ça marche. Bien, comme ça, on va la... Écoute. Comme ça, on va la nettoyer. Donc, le jeu. Ce blanc derrière me donne. Non, non, non. Allez, Necrozma, allez. S'il te plaît, fais-toi battre facilement. Eh, vous savez, c'est qui le Pokémon de Toto? Oh putain. Rototo. Oh, non. Rototo ou pas? Non plus. Moi, j'ai été pas mal aussi. Vous savez pas? Non. C'est Toto Gepi. Moi aussi. Ouais, mais parce que vous êtes nul. En plus, ça marche aussi avec Toto Gekis. Mais avec toi. Allez, cherchant tous les Pokémon, il y a To ou Toto dedans. Ouais. Possible. Toto Corico. Toto Rico. Mais il a déjà fait le bec. Oh, j'ai acheté. Attends. Non, mais sérieux. Sinon, c'est Toto. C'est Toto Hortan ou sinon. J'avais pas déjà eu des guests au Shiny. C'est rien. Je le dis en fait. De serre à le Toto. Qu'est-ce que je vais te donner comme surnom? Mimi Toto. Toto Guest. Toto Guest. Allez. Fantoto Minus. Bah, ça marche aussi avec Ectoto Plasma. Hein. Non, je voulais la faire, j'ai depuis. Ectoto Plasma, c'est le mieux. Voltotorb. Charpé Toto. Bien Charpé Toto. Quelqu'un fait Totoros? Ah non, elle est pas mal celle-là. Ah Totoros. Lévia Totor. Papillon Toto. Papillon Toto. Quoi? Là, tu prends un animal et tu mets juste Toto au bout en fait. Chatoto, chatoto, chatotodo. J'avoue que là t'étais un peu long. Kaboutoto. Shivel Toto. Il a perdu tout son. Tout sa style. Axolo Toto. Axolo Toto. Axolo Toto. Marest Toto. Bah non, du coup. Ah si, il me reste Toto. Ou Marestrotro rigolo. Là c'était marrant là. Bah oui, vu que c'est trop rigolo. C'est marrant. Toto Terra. Toto Terra. Toto fraise. Le totor. Le totor. Que notre totor. Castotono. Castotono. Putain. Tritotosaur. Mais c'est ça qu'il faut choisir maintenant. Ta gueule. Ok. Un petit peu psy, je me demande qu'est-ce que ça va être. Putain. Alors. Choubetten. Non. Je peux pas mettre.
Electoto. Electotor. Pas mal, pas mal. Mouscototo. On va tous les faire, putain. Putain. On peut pas revenir à d'autres blagues, genre c'est un vie. Tout tour gamor. Ça marche aussi avec Totoxizap. Oh, il vient de faire l'attaque Totonner. Eterna Totos. Oh non. Sur Alex Show, il y a tellement une espèce de tête de Nabil. Non, pas Nabil, comment il s'appelle Tilly. Nabil. Non, mais à Toto quoi. On l'a fait Toto Picker. Je crois. Sinon, il a peut-être trio Toto Picker. Non. Bon, ça marche pas vu que c'est pas trio Toto Picker. Trop trop Picker. Trop trop Picker. Il y a trop trop Picker. Il est partout. Toto Kaffer. Oh. Y'a un truc, y'a un truc. Tout est Toto. Tout est Toto Tetri. Toto Tetri. Ouais, c'est bon, on est perdu, les gars. Non, mais Toto t'as fait, hein. Intellectuellement, je peux pas suivre. Toto t'as fait. Toto t'as fait. Fais ta gueule. Bon, il est temps de faire le Toto Ball. Allez, j'envoie ma Toto Ball et c'est reparti. Toto Ball, ça c'est génial. Oh putain, que pour les Pokémon débiles. Toto Ball. La Toto Ball qui capture que des Pokémon Toto. La Toto Mobile. La Toto Mobile. On manque de vannes. Hein. Oh, c'est ah vache. Dégueulasse. J'ai pas mon truc à boire, putain, faut que j'aille le chercher. Tu veux aller à boire? J'aime pas le lait. Ouais, mais c'est un lait décrémeux. 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 C'est plus drôle, toi. T'as un problème, là, Toto Max? Oui. T'es tapé? Oui. Oh, personne ne se tape, là. Qui se tape là? Viens, on tape tous les deux. La bagarre. Oh, merci d'avoir mis un champ. Ça me... Oh, Xatoto! Avec sa sous-évolution, Natoto. Natou. Xatoto. Au secours. Natoto. T'as compris? C'est là, il est Toto. Genre Natoto. 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 J'ai voulu en Xatoto. Xatoto. Oh, fils de pute. Bah, non, arrête ta souris. Excuse-moi.
Ça pique, gars. Tu sens un peu violent ce soir. Quoi, j'ai rien fait. Il est au top. Il est au top de sa mort. Quoi? Elle est excellente celle-là. Je l'ai pas, tu veux. J'ai utilisé que 20% de mes capacités. Oh non, c'est comment. Oui. J'essaie de prendre une boule qui a à peu près la même couleur que tu viens de voir, sinon j'ai basé sur une ligne. Oh, parisé, bien. Empoisonné. Oui. Oh non, il est trop horrible. Bon, là ça a marché avec trop tôt. Comme là, trop tôt. Et quand il est mort, ça sera l'âne trop tard. Il est mort, du coup, ça sera trop tard. L'âne trop tard. Qu'il sera mort. Je vois pas souvent faire des blagues noires, toi. Donc, trop tard. Non, mais c'est comme... Il faut l'ignorer, c'est comme un enfant, il fait son intéressant. Là. Il faut... Trop tard. T'as pas tout su, c'est la type qui continue. T'as pas tout goûté. Trop tard! J'avoue que je comprends. Ça sera trop tard! De ta gueule! Libéré! Gelé! T'es gelé! Espèce de Pokémon de PD! Là-bas pas tout de suite. Oui. La bataille. Oui. Énorme. Ok, je suis les gars. Ouh. Ah oui, ça contre le bar. Oh, ça contrebalance le poison. Ah non, mais c'est toxique aussi. Un poison de la mort. Mmh. De la mort qui ouais. Tue. Ça sera trop tard. D'ailleurs, ça fait de plus en plus mal, je sais, mais est-ce que ça se renouvelle à chaque combat ou est-ce que ça reprend Bah, c'est un nouveau combat à chaque fois, donc ça se renouvelle, oui. Oh non. Ça serait logique, en quoi. Ouais, c'est neutre. C'est trop nul. C'est trop nul. C'est neutre trop. Tous les chaînes, je le prends et je l'appelle Carou. Moi, si je suis chaîne, je l'appelle sac à main. Oh. Comme dans ta vie pirate. Oui. Oh merde. Bien évidemment. Donc je vais être totalement oublié. Comme dans Ark, sac à main. Qui? Mon croco dans Ark. Et sac à main. Bah nique ta mère. Je ne serais pas du genre à piquer une idée, Pika. Non mais t'es un gros fils de... C'est horrible, toi aussi t'as fait une nuit blanche, t'as des cernes, t'as vu.
Putain, mais il a paralysé ce con. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit à Kukuri, toi aussi t'as une nuit blanche, t'as les cernes. Cernes? Est-ce qu'on peut dire qu'il l'a cerné? Tiens, niveau humour ce soir, on est level à 10 boules. Hein. Alors, chash ban. Ouais, vas-y, t'as raison, ban toi-même. Eh, vous savez qu'il y a un Pokémon en anglais, c'est... il y a Toto dedans? Ouais, Toto Deal. Oui, Kaiminus, c'est bien. Ouais, Kaiminus. C'est rigolo. Toto Deal. Et ça, c'était Guest. Toto Deal de la drogue. Putain, ça, c'est drôle. Ça, c'était marrant, là. Mais le mec, en fait... Il te fait 46 blagues nulles et il y en a bien une qui va finir par être drôle. C'est comme TikTok quoi. Homme de pute. Ça dépend ici hein. Pourquoi tu me dis là que t'as pas de TM moi? Ah peut-être. Si si. Ok bah voilà. Sinon je le ferai pas, Henri Max. Hein. Je sais pas, écoute, on a l'habitude de sur ta chaîne. Je suis pas comme toi en étant un Toto à faire des conneries. Hein. Oh, toi aussi t'es un Toto. Hein. Eh, Toto toi-même. Seulement t'es un Toto que t'as été ban un jour. Non, t'as tellement été un Toto que t'as été Momodo un jour. Et t'as été ban une seconde. Alors tu devrais avoir honte. Ouais, je m'en souviens. J'espère d'ailleurs que t'as bien réfléchi à tes actes. Ok, bah attention, je me dirai plus que t'as dit un mot interdit par rapport à ce méchant monsieur de la Seconde Guerre mondiale. Tu verras si toi aussi. De quoi il... Non, mais c'est un live histoire. Bah ouais. Bravé que la Team Flair ça représentait plus ou moins les pas gentils. Oh, c'est sur ce n'est marqué nulle part, ça. Si, c'est marqué dans le chat. Gueule. Bon bah c'est une erreur de lecture, c'est bon, ça arrive. Ah oh oui, pareil. C'est bon parce que c'est exactement écrit comme les États-Unis. Ah, déçu. Mais tu l'as écrit parce que j'ai mal lu ce que disait... Oh, oh. On écrit sur les murs de ce qu'on aime. Je connais plus la suite de la chanson, je vous remercie. Des messages pour les jours à venir. On écrit. Je ne mourrai pas du poison avant de... Partout autour de nous. Ce que c'était... Un amama. On écrit sur le mur Amahama. On écrit sur les Amahama, les noms de ceux qu'on aime. Attends quoi? Staka staka. Staka 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 staka. Je sais plus c'est quoi le mot anglais de cette connerie. Bah staka staka. C'est mort. C'est juste staka staka. Ouais, ouais. Normalement, ouais. Ah oui, staka... staka taka. Ah, staka taka. Il n'y a pas le deuxième S. Poum poum. Voilà. Non. Ah oui, la baie. Oui. Boum. Wabou wabou. Zuba zuba. Zuba zuba. Ça veut dire qu'il connaît Nosferapti. Tous les jeux Pokémon sont liés.
Non, on va perdre à cause de la tempête de con. Oh. Non, rien. On ouais. est plus. Protection. Je suis en taré. T'aurais pu nous soigner quand même. Communication en cours, car coco. Isabelle communique. Oh putain. Cette vidéo, mon gars. Mais pas tant que ça. En fond, on est sur Twitch. Non, 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 non. Oui, il y a encore un. Non, non, turn. Non, il y a un tout tour. Non, parce que c'est pas un tour. C'est toi qui as fait William Thorin. Non, j'ai dit William Thorin. Non, non, t'as pas dit yes, c'est du tour. Non, non. Si, si. Attends, quoi? Dit Thorin, les gars. Thorin. Ah, j'ai cru qu'il était chaîne. On va faire un clip, tu vas voir. Thorin, putain! Attends deux secondes, je regarde un truc. Sauve! Non, Pia, non! Non! Non, Pia, non! C'est lancé! Miss de Toto! Je t'ai dit, attends deux secondes, c'est pas possible! Mais... Un, deux. Ça fait deux secondes! Oh, c'est rigolo ça! Allez, Serge Ben! Il redégage de l'appel! Y'a Pénélope. Pénélope. J'ai pas de blague avec le nom Pénélope. Bah y'a les peines là, les pattes. C'est bon d'ailleurs. Après bah avec Lop y'a Cyclope. Pika expert et... en pattes. Et je parle pas de cigarettes quand je dis Cyclope. Je suis vraiment fatigué. Oui. Bon allez, vénard, vas-y, ramène ton cul. Hein. Oui. Oh, j'avais pas vu en haut là. J'ai pas vu ce qu'il y avait sur ma route. Ah, il y a un team guest sur ma route. Oui. Sur ma route, oui, il y avait des types, puis une aventure de Pokémon. Je t'ai laissé ton Pokémon de la 3G. Une vie de fou. D'autoroute. Coloman. 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 Totomar. Totomar. Totomar, man. Non mais arrête de rigoler à chaque fois qu'il dit un truc, après il va être content, il va continuer ses blagues. Non. D'accord. D'accord. D'accord, hop, ça dégage. Tu n'as aucun pouvoir ici. Tu n'as aucun pouvoir ici, Gandalf Chalouli. Tu l'arrêtes. Ouais, je peux Dynamax, ça me sert à rien. Pom 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 coup de main. Oui. Les pommes de Crash Bandicoot. Non. Pommes de Renette et pommes d'api. Tapis, tapis rouge, pomme de neige, pomme d'api, tapis, tapis.
C'est ça, il attend. Tu l'as jarté, j'ai pas vu. Bah oui. Pomme de ranette et pomme d'api, d'api, d'api. Je suis mort, je t'avais pas vu. Pomme de ranette. Parce que je me rappelle qu'il marque j'attends, genre bah j'ai envoyé l'attaque moi, qu'est-ce que j'ai fait. Je vois pas grand chose. Ouais pardon, je suis pas concentré sur Discord, ma connard. Et toi t'entends pas grand chose. T'entends pas grand chose. T'entends pas grand chose. C'est bon. Oh t'es barre. T'es trop fatigué pour comprendre. Oh mon dieu. Feu en vue. Ouais, j'en ai envie. Oh non, il fait Hydromax. T'as fait quoi la 3G là? 3G. 3G. On tank. La 3G. Too much water. Too much water. Too much tentacule. Merci. Y'a mes petits coups d'assage. Qu'est-ce que c'est? La 3G attaqué. La Bretagne attaque la Bretagne. Ah bon, Flobio, c'est pas la 3G? Bah non, c'est pas la 3G qui a attaqué, c'est la 3G qui s'est fait attaquer. Putain, mais qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit la 3G a attaqué. C'est fait attaquer, pardon. La Bretagne attaque la Bretagne, on s'en rappelle. Oui. On a tous bien ri. Et... Capitaine, voilà. J'ai échoué, capitaine. Je me rappelle, un jour on traînait en ville et on avait entendu je crois un bruit ou je sais plus quoi, on avait fait la Bretagne ça. Je sais plus ça va être quoi ça. On a dit tellement de conneries aussi. Mais ça vient de Pokémon. Oui non mais je veux dire c'est la Bretagne ça quand t'es dehors. Putain que Mont-Saint-Michel. Mais parle pas du Saint-Michel comme ça. C'est pas sérieux. Michel. Michel moi. Parle pas Forever, du... Mais parle pas du Saint-Michel comme ça. Michel. In the night. Oh putain, j'ai la grosse tête. Oh putain, j'ai mangé. J'ai mangé toutes les croquettes. Bleu et noir. C'est Garfield. Je l'appellerai Garfield. Ah c'est marrant là. Ouais, c'est. Merci, personne ne le lâche à une île quelle couleur, imagine les oranges, ce serait trop gros. J'avoue, il y a déjà une tête en forme d'orange. Non, il est violet. Il y a toutes les couleurs. C'est Pika qui cassait des lires, putain, quel connard. Il est violet. Oui, j'avoue, mais... T'es non, nul, mais j'entends pas les rageux, j'entends pas les rageux. Mais bah alors, ouais, ton micro si t'entends pas les rageux. Alors, ça, je baisse. Oh, je viens de voir Discord, ils ont modifié leur interface quand on clique sur des gens. Bon, en fait, ils ont changé leur logo, ils ont changé le logo aussi. Comme ça commence à dater, ça. Bon, non, moi, ça date de 3, quelques jours. Quelques jours? Oui. C'est plus longtemps que ça. Quelques bah, années. La lettre F. Bah oui, t'as dit la lettre E. On dit la lettre F.
c'est marrant ça, dis donc. On serait pas sur un live de Pikachu jaune? Bah c'est sûr qu'on est pas sur les tiens. Putain non! Ah si c'est bon. Non, j'arrive. Lesquels? Bah justement. Oh! Non mais vos attaques ne me touchent plus, je suis trop fatigué pour être vexé. Est-ce que je tente ce scientifique? Ouais. Allez, on n'a qu'une vie. Et on n'a pas qu'une seule partie. Eh regarde. Ça. Il ruse à la queue. Absol. Il ruse à la queue. Mmh. C'est marrant. Allez monsieur, maintenant, faut aller mourir. Flogleur. Allez, mission. Oh, allez, c'est bien ça. Tu viens de changer tes objectifs de première. Oh oui, la bizarre. Oh. Pourquoi tu prends un type alors que c'est super efficace contre notre type premier? Parce que j'ai oublié ma table de type. Ah bah voilà, ça c'est typique. Toto, oui, ça veut dire que c'est Toto. Écoute, le truc, j'en ai un peu rien à foutre. Hein. J'aime bien par contre. Fatal foudre. Oh oui. Oh non, merde, c'est lui qui a évité, merde. Vas-y, attaque-moi. Réponds à la provoque. Ah, c'est bien casé ça. Machination. Oh bleu. Du coup, c'est la dernière partie. Avant le nécrosion. Avant la dernière partie de forêt, je sais pas. Ah, d'accord. Ouais, c'est disons, ça, t'as l'air vraiment éclaté en fait, c'est pour ça que je dis ça en fait. Bah, il est toujours éclaté aussi. D'un côté, après, je pourrais jouer à Pixelmon quoi. Oh l'autre! En live? Alors, toi, tu es chaque après-midi. Ah, peut-être pas en live, non, mais. Ce serait demain, je serais en live. Tout, on va perdre parce qu'il a pris le putain de petit. Normal, moi je suis fondat de mon serveur et je m'y connecte dessus. Je citerai pas des noms. On tank. On te capture. Pika pika. Bup. Bup. Bup but. Bup bup.
Ah oui, tout le monde se booste en fait. Allez, prenez-le. Non, pas moi. Pardon ? Pas moi. Voilà. Mais notre elf. Oh. Quoi ? Oh non ! Mais tu es vraiment une petite pute. Oh. T'es une petite pute. T'es une petite pute, c'est pareil pour toi. Par ici. C'est qui ma petite pute ? Oui, bah je me suis... Quoi ? Quoi ? Pika ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Mais Pika, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais Pika, t'es pas net ! Mais si, je suis très net ! Au secours ! En tout cas, je suis pas flou. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ouais, BMW Pro, c'est nul. Net, c'est nul. Même si c'est... Verbe blanche. On fait mieux. C'était plus marrant si j'étais défoncé. Mais t'es toujours défoncé. D'ailleurs, on va te défoncer. Je vous pas. Bah, t'inquiète, ça va bientôt arriver. Le pardon, c'est le début d'être gentil. Illusion. Bon bah on va perdre à cause de moi, j'assume complètement ma faute, je suis désolé. Oh mais ça c'est même bien, allez let's go. Qu'est-ce que tu veux toi? Attaque tonnerre. Alors slash ban. Une heure plus tard. Bonjour, slash ban. Voilà. Mais dans ce servi à ça. Bon, heureusement qu'il l'a fait ce moment. Ah Yéouya. J'assume complètement ma connerie. Pour l'instant. Elle a cru que c'était le moment d'être con. Oui mais j'aime bien. Wouah les dégâts. Mais l'hôtel. Oh non, il est pas chemin. Par ici. Par ici. Par là. Il lui reste un PV au papy illusion là. Papy casse ses couilles. Papy. Il n'aura quoi tu dis ça. Mélodette. Non mais on a perdu 3 vies par ma faute, putain. Je me suis dit allez le type fait parce que vive le type fait ou une canne en genre et putain j'ai complètement oublié comme des ténèbres. Mais tu t'es fait enculer. Fait enculer. Moi je dors jamais moi, tout court. Justement tu devrais être habitué. Bah je vais le prendre hein, comme ça on évitera de mourir. Hein. Alors évite. LOL. Ah, retarder la mort vite. Pam 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 pam. Frodon. Frodon. Oui. Frodon, il faut que tu apportes l'anneau dans le volcan. Oui. Je fraude, il fraude. Nous fraudons. Nous fraudons. Ferme ta gueule, s'il te plaît.
Nous prenons. Tout le monde s'éclate. Le... Ah. Ah bah non, c'est pas Covid comme chanson. À la que l'or y'a. Ah, à la que l'or y'a. Tout le monde s'éclate. À la que l'or y'a. Ah. C'est Shinichi qui redémarre. Non, non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ok. C'est la danse des Quanton qui, en sortant de la mare, le secoue le bas des reins et font Quanton. Ouais. Non. Fallait pas être brûlé, ça pis. Pardon. J'avoue que des fois je m'emporte un petit peu. Comme en automne. Un petit peu. Que automne emporte vous. Oh la vache, c'est cette référence mon gars. Non, là-bas j'ai écrit mais pas pareil. Faire attention. Me. Voilà. Et des écrémeux dans Mario Kart, ça fait la prairie écrémeumeux. Oh, tu lui as mis cher. Ah là, franchement, le 3G, il a eu ce qu'on chante de mort. Oh là là, oh mais non, quel génie c'est, mec. Suci, Ross. Faut juste que t'attaques avant. J'avoue, let's go. Ça passe! Ça passe! Moi j'ai. Oh! Bien ou pas? Miouf! T'attaques qui? Pourquoi tu m'attaques moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai tellement récupéré la connerie de PVC, ça. Ouais, t'as un Max, il est plus compétent quand il est fatigué. C'est pour ça en fait qu'il a fait son projet pendant la nuit blanche. Il est plus compétent quand il est fatigué. Projet. Allez, résistez, méga, résistez. Vous êtes méga sûr, vous êtes méga sûr. C'est une nouvelle méga évolution? Ouais. Méga sûr. Est-ce que ça fait 3 tours? Bonne question. Ah, ça fait pas 3 tours. Bon bah je vais prendre une. Allez, je vous encule au courage. Faut l'appeler Sephiroth. Allez, le soin. Le soin. Bah non, on va s'arrêter là, nous. C'est fou, là. Il attaque lui. On se retrouve demain pour du Pixelmon. Oh. J'ai envie d'en faire. Voilà. Oui, moi aussi. Mais toi, t'as tout le temps envie d'en faire. T'y es chaque après-midi. Bah, toi aussi. Parce que t'y es. J'avoue, des fois, je vous m'écrase juste pour voir si t'y es. Non. Toi, tiens, entièrement sérieux. Eh, y'a Pika. Allez, on y va, go. Oui. C'est pas loin d'être ça. Moi, je vous dis bonne nuit et à demain. Voilà. On va arrêter Pika. Oh, tu arrêtes. Comme ça, Hervé Max, il aura plus de points de chaîne, comme s'il en est pas déjà assez. Lol. Du soin? Avec du petit soin. Donc moi, je vous dis bonne nuit et au revoir. Bonne nuit, les petits.
Oui. Oh non, oh putain, cette référence. Oh non, je suis mort. Allez, je vous envoie chez Pika pour ça. Allez, salut mon pote. Oui. De toute façon, cette référence c'était de la merde. Oh mais t'as fils de pute. Oh mon dieu. Oh me raid. Bon bah encore une soirée sans shiny. Est-ce que t'as eu au moins cette soirée sans en avoir battu? Non, j'ai battu quand même. Bah alors ça va, ça avait pas si mal tes soirées. Mais même que chaque fois, j'ai battu deux fois sans qu'il puisse se transformer. Il est pas trop mal. Bon bah voilà, du coup on a fini. Non mais... Ça je m'entends en fond quoi. Bon, du coup j'espère que ne pas avoir de shiny vous a... Merde, j'ai pas fait les puces. Voilà. Du coup, on se retrouve demain pour du Pixelmon. Est-ce que j'ai envie d'en faire? Oh. Et puis voilà. Je vais bel et bien deux Poltergeist shiny. Et puis voilà, hein. Du coup, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et comme ça, vous entendrez plus les deux autres fils de pute. Bye tout le monde.